conseil. Force est de constater que plus les choses changent, plus il reste le même. J'ai toujours haï cette phrase. Le fatalisme. Ce n'est pas ce à quoi aspire l'humanité. Si nous ne sommes pas inventifs, l'épitaphe du charnier de 11 milliards de cadavres arborera plus tard, peut-être. Je sais ce que je vais faire. Et vous, est-ce que vous savez? L'humanité est crainte autant qu'elle est aimée. Avec de la chance, ça jouera en notre faveur. Je tâcherai de lever des fonds d'autant de monde que possible. Peut-être de la main-d'œuvre et quelques bâtiments armés. J'ordonnerai la mobilisation de nos colonies et l'armement de tous les vaisseaux civils. L'engin protéen devient une priorité absolue. Que pensez-vous des conseillers? Vous avez des idées d'angle d'attaque? Le conseiller Irissa n'est pas comme son prédécesseur. Elle est plus froide. Si elle avait les mains sur votre cou, elle serrerait. Et Shil va vous donner du fil à retordre. Elle est pragmatique. Cette femme ferait pâlir Machiavel. C'est une Dalatrace, après tout. Franchement, cette discussion avec Quintius est une bonne chose. Son monde est le plus mal parti. Et il cherche une issue. C'est une opportunité. Je dois partir. Je ne bouge pas. Il n'y a aucune conspiration contre l'humanité, mademoiselle Al-Gilani. Le Conseil n'accorde simplement pas d'entretien pour l'instant. Mes auditeurs sauront que le SSC et le Conseil leur interdisent de savoir. Mais dites donc, vous croyez que ça m'amuse de jouer les portiers entre les paparazzi et les politiciens? Je n'ai ni le temps de jouer les babysitters, ni de vous servir de guide. Eh bien, je camperai ici tant que je n'aurai pas eu d'audience. Parfait. J'espère que vous avez un sac de couchage. Commandant Shepard? Commandant, l'humanité a des questions. Les journalistes. Je vois que vous maintenez l'ordre. Ouais, j'ai l'impression d'être un groom d'élite. Beaucoup de gens y verraient une promotion.
Coincé ici, au milieu de tous ces poseurs, j'aimerais autant retourner dans les rues. J'apprécie de toucher plus chaque mois. Mais je ne suis pas un animal politique. Les politiciens sont la lie de la galaxie. Si c'était un autocollant, je le mettrais juste ici, sur mon bureau. Ça me désespère pour la Terre. Même chose ici. Je n'y suis pas allé depuis des années. Et maintenant, si ce n'est pas notre fin, ça en a vachement l'air. Il y a 50 000 ans, les Protéens étaient la seule espèce à pouvoir voyager dans la galaxie. Ils disparurent lors d'une brutale extinction galactique. Les seuls vestiges de leur empire sont les relais cosmodésiques et la citadelle, qui ont permis à de nombreuses espèces d'explorer la galaxie et de s'étendre. On trouve des ruines protéennes sur de nombreuses planètes à travers. Il y a 50 000 ans, les Protéens... Bonjour, ma chère. Peut-être que vous pourriez m'aider. Commandant Shepard. Commandant, le peuple de l'Alliance a des questions. Commandant Shepard, Kalissa bin Sinan al-Jilani, est-ce vrai que vous étiez sur Terre quand les moissonneurs ont attaqué? Comment expliquez-vous avoir fui alors que des millions de terriens mouraient? Est-ce vraiment digne de l'Alliance? Je suis venu chercher de l'aide pour la Terre. Pour tout le monde. Et que faites-vous de tous ces gens qui souffrent pendant que vous jouez les diplomates avec le Conseil? Répondez! Pendant qu'on discute, nos familles sont en train de mourir. Que comptez-vous faire? Ce que je fais depuis 3 ans. Trouver un moyen d'arrêter les moissonneurs. Pas cette fois, Kalissa. J'ai du travail. Bonjour, commandant Shepard. Bienvenue aux ambassades de la Citadelle. On se connaît? Je suis Avina. Tu es une IV? Oui, j'oriente le public vers des lieux prédéterminés partout dans la Citadelle. L'ambassadeur humain en poste est Dominique Ozoba. Le commandant Bailey est l'officier en faction du SSC. Il est dans le bureau du SSC de ce district. On trouve quoi d'autre dans le coin? Cet endroit est réservé au personnel de l'ambassade humaine et aux agents du SSC qui le gardent. N'hésitez pas à me solliciter en cas de besoin. Bienvenue, commandant Shepard. Veuillez choisir une destination. Un moment, s'il vous plaît. Nous arrivons à la baie d'amarrage D24.
Yara, je peux vous aider? J'ai transmis les informations sur l'engin protéin au conseiller Turien. Il ne peut pas être construit sans l'appui du conseil, mais il ne bougera pas avant que leur primarque soit en sécurité. Je sais. Vous allez bien? Je suis juste dans le coltard. Commandant Shepard, je suis l'officier... Oh, veuillez m'excuser. Je vous croyais seul. J'allais partir. Commandant Shepard, Samantha Trenor, officier de transmission R&D de l'Alliance. J'ai fait partie de l'équipe qui a modernisé le Normandie après que vous l'avez remis à l'Alliance. Nous étions peu à bord quand les moissonneurs ont frappé. Du calme, officier Trenor. Tout va bien. Merci. Je travaillais en labo. Je ne me voyais pas servir sur un bâtiment. Parlez-moi de ces nouveaux gadgets, je vous écoute. Le Normandie est maintenant équipé d'un cible de pointe, conformément aux normes fixées par l'Alliance. En fait, l'amiral Anderson voulait se servir du Normandie comme centre de commandement mobile. C'est plus d'actualité. Oui, on m'a dit qu'il était resté pour se battre. En tout cas, c'est un honneur de servir sous vos ordres, commandant. Enfin, tant que vous avez besoin de moi, je n'étais là que pour gérer l'installation. Shepard, certains systèmes nécessitent d'autres tests. Et la spécialiste Trenor s'est montrée très efficace lors de l'installation. Je préférerais qu'elle reste. Reçu, Idea. Depuis quand les intelligences virtuelles font des demandes? Idea est une IA parfaitement consciente. Ah, j'en étais sûre. Je savais que Joker mentait. Jeff m'a demandé d'être une simple IV pour me protéger. Mes excuses pour cette supercherie. Merci, Idea. Mes excuses pour toutes les fois où j'ai parlé de votre voix très attirante. Enfin bref, je vous fais visiter. Les améliorations devraient vous impressionner. Sur la passerelle, vous trouverez une carte de la galaxie où vous pourrez choisir des destinations. Vous pouvez aussi consulter vos messages sur votre terminal privé. Dans le centre de commandement stratégique, vous trouverez des informations sur la guerre et les missions. La baie d'amarrage contient une armurerie où vous pouvez modifier votre équipement entre les missions. Liara a enfin installé du matériel dans l'ancien bureau XO sur le pont 3. Je crois qu'elle a réquisitionné l'endroit. Donc voilà, c'est toujours le même vaisseau, mais aux couleurs de l'Alliance désormais. D'ailleurs, je crois que l'amiral Hackett aimerait vous parler par vidéo. Commandant, Oudina m'a prévenu de votre entrevue avec le Conseil. On dirait qu'ils ont peur. On leur a présenté trop d'inconnus. Ils se sentent menacés et veulent des solutions immédiates, pas des théories. Les théories, c'est tout ce qu'on a. Quel est votre plan? J'essaie de convaincre le Primarque Turien d'assister à un sommet avec les Asari et les Galariens. Je co-circuite le Conseil et je m'adresse directement à leur chef. Excellent. J'aime l'idée. C'est là que commence l'élaboration de notre contre-attaque. Malheureusement, on n'a pas grand-chose pour la soutenir pour l'instant. Alors forgez des alliances. Rassemblez tous ceux que vous pouvez pour soutenir la cause. Et l'engin protéin? Trouvez-moi des gens pour le construire. Et si c'est impossible, ramenez tout ce que vous pourrez. Vaisseaux, hommes, ressources. Il faut frapper les moissonneurs sur tous les fronts qu'ils ouvrent. Il faut gagner du temps pour comprendre comment fonctionne cet appareil. Et si on le finit? Si on le finit, on met toutes nos ressources en commun. Voyez ça comme une grande armada pour utiliser la machine quand l'ennemi sera le plus vulnérable. Plus
Plus cette armada sera forte, plus elle aura de chances de traverser les défenses. Comptez sur moi, amiral. Il n'y a pas que moi. Il y a tout le monde sur Terre. Anderson et ceux qui restent des forces de l'Alliance doivent tenir jusqu'à ce qu'on batte notre ennemi. Je comprends, amiral. Bien. Alors bonne chance, commandant. J'attends des rapports réguliers sur votre progression. Paquet terminé. Commandant, l'Alliance a trouvé un nouveau labo de Cerberus sur Sanctum. Commandant, vous venez voir votre nouvelle recrue ? Je passais simplement voir où vous en étiez. J'essaie encore de m'habituer. Quand je travaillais sur les améliorations du Normandie, je rentrais chez moi après le boulot. Je n'avais même pas de brosse à dents ni de linge de rechange. J'ai dû tout acheter en urgence sur la Citadelle. Nous sommes en plein milieu d'une guerre, officier. Nous avons mieux à faire que de retrouver une brosse à dents. Bien reçu, commandant. Et pour être clair, je suis heureuse ici. Si je peux être utile aux communications et aux renseignements, j'en aurais fait plus que si j'étais restée au labo. Vous voulez quelque chose ? Étiez-vous à la R&D de l'Alliance ? On pourrait penser qu'une liaison quantique faciliterait la communication, mais imaginez qu'il faille incorporer des sources multiples. Et les connecter avec des extrapolations de données pour mettre au point une interface de situation cohérente. C'est un défi passionnant ! Pour moi, en tout cas. Continuez, officier. Pour un contrôle tactique amélioré, affichez le menu pouvoir. Le jeu se met alors en pause, vous donnant ainsi le temps d'évaluer le champ de bataille, de choisir vos cibles ou de sélectionner un nouveau pouvoir. Pour utiliser un pouvoir sur un adversaire, visez l'ennemi avant de mettre en pause, puis mettez le pouvoir en surbrillance avant de le sélectionner. Le pouvoir visera l'ennemi ciblé quand vous reviendrez à l'action.
Pour une efficacité tactique maximum, combinez les pouvoirs de vos coéquipiers avec les vôtres. Vous pouvez combiner jusqu'à 3 pouvoirs en même temps. Donnez vos ordres à vos coéquipiers en utilisant les touches suivantes. Appuyez sur A et E pour donner des ordres à vos coéquipiers, attaquer, se mettre à couvert ou prendre une position. Pour ordonner à un coéquipier d'attaquer avec un pouvoir, appuyez sur A ou E en visant l'ennemi. La touche W donne l'ordre à vos coéquipiers de tirer sur l'ennemi désigné. La touche C rallie vos coéquipiers sur votre position.